Ah merde, putain, je crois que c'était ton Montel. Mais... Non, ah non, c'est à qui ça? C'est pas au Maltine? Attends. Hop, alors attendez, je fais un tweet. Donc on est à chirurgien. Putain, mais sur les photos, je parais tout timide. En tout cas, sur celle où il y a Sourif avec sa gueule là. Vous avez la gueule de Sourif. Attends, on voit rien du tout. Ah, c'est dommage. Non, pas grave. Attends. Ouais, mais alors attendez, parce que là on est sur un truc. Hein, c'est sur l'Obation hein, déjà. Ouais, bah attendez, ouais, parce que je suis au four et au moulin là. Hop. Surtout au moulin. Ad. Attendez. Deux secondes. Attendez. On est où là? Attendez. Hop. On fait de la com avant. C'est pour ça. On fait de la com avant, c'est pour ça. Bah ouais. C'est ta faute. Hop. Il fait voilà. Vraiment un fuck chien sur le truc. Voilà. Bon bref. Voilà, je vous ai fait un magnifique tweet, j'espère que vous êtes heureux. De quoi? Et bah ouais, voilà, tu peux retweeter ton magnifique fuck voilà. Comme ça. On voit que t'es pas quelqu'un de bien. Parfait. Allez, c'est parti. C'est parti les petits merde, amis. On a dit qu'on était sur... Oh. T'as fait des bêtises là. Bah c'est bien Paolo Bastion. C'est Paolo Bastion, attendez. Bon vas-y, Hop. Attendez. Ah bah super la régie. Bref. Petit Kazuya Diddy Kong. Tizzy a opté pour Diddy Kong. Par contre, bah en 10 secondes, il a perdu sa stock quoi. Il a peut-être pas fait attention à jouer assez safe. Et Chirurgien, lui, en a bien profité. Et c'est la deuxième fois qu'il en profite. Et cette fois-ci, il n'y avait pas assez de pourcentage pour prendre cette stock aussi rapidement que la première. Hop là, voilà, GRT. Non, c'est vraiment ça. Hein. Tu joues contre chien, faut que tu fasses très attention. Parce que quand il est dans ses bons jours, bah, ses phases d'avantage, il les loupe pas. Et s'il les loupe pas, bah, ta stock, elle part très vite. Ah, ça te délaie tes stocks très vite, hein, Kazuya, on va pas se mentir. Hein. Ah oui, c'est pour ça qu'en général, tu veux pas être dans la berchine de Kazuya, tu vois. Et merci pour les follow, hein, d'ailleurs. Et d'ailleurs, merci pour le 22e mois de sub, Kip. Allez, honorable, tu dis-moi, c'est toi qui t'appelais Chirurgien ou pas? Oui, c'est lui. Oui, c'est toi. Hein. Voilà. Ah, bravo à toi pour la blague immense. Oh, la banane, tu aurais pu. Ah, c'est pas mal ce qu'il nous offre là, Tizzy. Bien, bien situation. Ouais, c'était bien, une très belle phase. Par contre, il va remonter parce que c'est Kazuya. Non, mais c'est. Ah, dommage. Là, c'est des choses qu'il connaît pas dans le match-up. Oh merde, on se prend les 36% de Lyle Gates. Des choses qu'il a pas l'habitude de jouer. Je pense qu'il a pas l'habitude de jouer le match-up, mais. En fait, quand Kazuya est dans la sauce comme ça offstage, il va toujours finir par venir en air dodge. Sauf que cette air dodge, elle est ultra punissable. Ah bah oui. Et s'il l'avait su, bah il aurait juste mis dans le tilt fer. Par contre, il fait casser la gueule. Ah ouais, ça a tapé fort. Ouais. Ça a tapé très fort. Va falloir trouver un. Bah autre chose quoi. Va falloir trouver un autre game plan. Faut s'adapter là. Ouais. On banne BF, Yoshi et Lylat. Je pense que Tizzy il a trop foncé sur Kazuya alors que c'est pas du tout ce qu'il faut faire en fait. Si tu le fais, bah chien il en tire de fou avec des Electric Queen Godfist. Et bah c'est à partir de là que tu commences à mourir quoi. La dernière fois qu'il a gagné c'était C'était en décembre. Ouais, en décembre, mais c'était que pour la première grande finale. Le reset il ne l'avait et pas gagné. Et c'était fait reset, ouais. Tizzy qui a jamais gagné de corne d'ailleurs. Il a fait quelques deuxième places, quelques troisième places. Quelques top 8, mais il a jamais fait premier. Kazuya dans Smash égale Akuma dans T7. Ah, je dirais pas. Enfin, non, t'as d'autres persos plus chiants. Genre, Akuma dans T7, je sais que c'est très fort. Oh, les deux, ils ont trip, what the fuck. Kazuya reste fort hein, sur Smash, on va pas se mentir. Hein. Mais par contre, ça demande quand même un peu d'exé. Ouais. Je sais pas si ça demande tant d'exé que ça. Après, je peux pas le savoir parce que j'ai jamais traîné Kazuya pour savoir vraiment. Mais je suis pas sûr que ça demande tant d'exé que ça. A vous de me dire.
Voter 1 pour oui, voter 2 pour non. Ah mais c'est ça qu'on pourrait faire, c'est des prédictions. Et attendez. Oui. Oh bah. Mais en fait le mieux c'est de faire des prédictions de merde genre. Qui va gagner Genre qui va prendre. Est-ce que chien va mettre un Evans d'or est-ce que. T'as des trucs comme ça tu vois. Attendez, on vous fait une petite prédit quand même. Temps de la prédit 30 secondes. Hein. Hop là. Voilà. Ouais mais mettre une prédit ici, c'est pas ouf. Je trouve que par rapport à Tekken, l'exit demandé par Kazuya sur SBU est ridicule. Ah bah c'est moins que sur Tekken, évidemment. Sur SSBU, on vous rappelle que déjà à la sortie de Terry, les gens devaient faire des quarts de cercle, ils étaient en panique. Il y a un changement de game plan là pour Tizzy, alors je sais pas s'il va le continuer jusqu'au bout, mais pour l'instant ça a l'air de marcher par contre. C'était un smash là qui est parti, un petit up smash en entière sur le side B de Diddy Kong. Le pauvre, bah ça a bien mis fin au buzz de Tizzy. Ça a mis quand même 22k sur Chien. Ouais, bien vu. Alors que ça a mis que 10 puntos sur Tizzy. Si c'est Tizzy qui gagne, ces 10 puntos sont les plus rentables de l'histoire. Vous allez perdre tous vos sous là si Tizzy gagne. Et un buffer immense sur Smash par contre va faire les 10 puntos avec un stick de GameCube. En vrai je préfère les faire avec une stick de GameCube qu'avec un pad classique. Et après c'est l'habitude de Melee en fait. C'est pour ça. Sur Melee il y a déjà des quarts de cercle en fait. Avec les drops de plateforme et tout. Ça me fait pas peur. Oh, ouais, oh, bien vu, ouais. Petit contre de la banane. Ouais, chien, il s'adapte un petit peu hein, sur le game plan de Tizzy. C'est la mort là. Ouais, c'est la mort. En fait, j'avais pas remarqué, mais Tizzy, t'es en avance en fait. Ah oui, il avait une stock d'avance. Hein. En fait, je pensais que c'était chien qui avait une stock d'avance. Ouais, par contre, faut faire attention parce que l'avance peut vite se faire délette. Ah bah non, mais là, ta stock elle peut partir ultra vite là. Attention. Faites-moi quand je joue contre Kazuya. Oh, il est mort. Ah, c'est... ah non c'est pas la mort. J'ai eu le temps d'air dodge. Ouais, mais alors fais gaffe parce que là, si tu te fais grave, c'est la mort. Hein. Oh non. Ah non. Il y avait mieux à faire. Il est en train de se faire comeback. Ça serait trop triste pour Tizzy qu'il la perde celle-là. Non, ouais, il a si bien joué jusqu'à présent. Ok. C'est bon, il n'y a plus le Hell's Gates. Par contre, faut faire attention à la banane. Oui, là. Non, dommage, j'avais un F-Smash. Je pense qu'il a voulu jouer safe en fait. Non, mais il y avait un smash tout. Il a un gros smash là. Ah ouais, mais je pense, soit il a paniqué, il s'est dit non, j'ai plutôt joué autre chose. Il avait la game. Oh, s'il la perd celle-là, quelle tristesse. Ah, oh. Justice. Allez. Justice. PS2 sera pour Tizzy. Allez, Tizzy qui remporte une game sur Chirurgien. Il vient répondre au gros match autoritaire qu'a mis Chirurgien sur la game 1. Et il envoie un message. Il envoie un message en mode, bah non mon frérot, ne me sous-estime pas, voilà. Je sais être présent. Il se peut que moi aussi, je puisse gagner. J'ai perdu 22k si c'est le cas. Kip, il a mis ses plus beaux 22k dessus. Ouais mais lui il a... C'était sûr que c'était Kip, lui dès qu'il y a un perso de Tekken, il mise dessus. Dès qu'il voit Kazuya, il est en mode Kazuya. Le Grazuya là. Ça me parle mal de mes 10 points après. C'est Bir qui a mis 10 points. Ah, c'est incroyable. Donc on banne Battlefield, FD et Holo Bastion du côté de Tizzy. Tu as un choix ça assez... Ça va aller sur PS2 ou SBF. Hein. Assez classique, hein, parce que Holo Bastion, c'est vrai que c'est une map qui aime bien. Et on va aller sur... Non, Smashville. Smashville ah, qui est une bonne okay. map hein, aussi de Kazu. Ouais. C'est aussi une bonne map de Terry, d'ailleurs. En vrai c'est une bonne map. Je pense qu'il parie sur le fait que... Ah, ils ont mis la musique de Sonic. Attends, mais... Ouais. En fait, tu vois, je trouve c'est un peu discutable parce que je pense qu'il prend sur Smashville parce qu'il peut tuer très tôt. Le problème, c'est que Kazuya il tue très tôt partout en fait. Donc, moi je raisonne, moi j'ai pas peur de prendre Smashville sur contre Kazuya parce que ça veut dire que moi aussi je peux tuer très tôt. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je sais pas si c'est une bonne idée. Ouais, après, je dois t'avouer que le kill power de Kazuya quand même il fait mal là. Ouais, mais ça c'est partout dans tous les stages en fait. Ça, le truc. Et surtout, moi j'ai découvert la plateforme du milieu, elle est très pratique quand tu commences à être dans les vieux combos de Kazuya là. Si t'es stun midrange à partir de la plateforme, bah tu peux juste air dodge sur la plateforme. Et c'est trop bien parce que t'esquives les combos de Kazuya. Alors moi je m'étais servi de ça et ça avait très très bien marché, alors je sais plus quel weekly. Mais voilà. Moi j'aime bien en tout cas. Moi j'aime bien. Pam 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 p
Après, à contrario, chien en fait sur ce genre de stage où il y a des grosses plateformes partout, il peut utiliser les Fairstech et faire le. Je sais plus comment ça s'appelle, quand il stun là. Genre Tekken, à vous de m'aider. Il stun et puis le gros Shoryu là. Et voilà. Le truc c'est que je crois que la plateforme de SV. Elle est assez différente de, des PS2, SBF, non. Du coup ça peut être compliqué pour chien s'il a pas le même timing de mettre ce qu'il a envie de mettre quoi. Ouais, bien vu, joli fer hein, pour Tizzy. Oh bien vu. Ouais. Bah chien il, en fait il avait vu complètement la banane, hein. Il avait up B de manière à pas se la prendre, sauf que bah, Tizzy il a bien réagi pour mettre ce fer là et prendre ses stocks et venir égaliser. Elle est trop trop chiante, c'est pas le même input pour le ferp sec. Ah, c'est ça. Ouais, bah ouais, c'est un peu ce qu'il me disait, Norabli, chien. Je sais plus, on jouait, il loupait tous ses follow-up sur la plateforme. Il me disait qu'il y arrivait beaucoup moins sur Smash Ville que sur les autres terrains. Et là, Tizzy, il est bien là, il est bien dans le jeu là. Ouais, il est bien remonté, ouais. Après, Tizzy, on le connaît, hein, c'est un gars qui est patient. Ouh, là, c'est synonyme de mort, mais il a réussi à air dodge ça. Peut-être même reverse les situations, oh et prendre la stock. Ah oui. Tizzy, là c'est plutôt bien pour lui là, ce qu'il nous offre. Oh j'ai eu si peur. Pareil de fou. Oh le Sparta kick. Chien, il a dit du 6 man, là, il est mort là. Ouais. Là c'est impossible de. C'est trop fort ce command grab là. Ok, c'est even, on a loupé son side B, il n'y a pas une grosse punish du côté de Tizzy, c'est un petit peu dommage pour lui. Par contre, ouais, c'était ballsy là ce qu'il nous a fait. Sur Smash V, tu dois full up double jump nair au lieu de short top, donc c'est plus serré du montagne. Hein. Oh, bien vu le counter, malheureusement on n'aura rien trouvé derrière. Bah en fait c'était pas... Ouais, le smash, hein. Il est mort à... 72. Bah voilà. Kazuya Mishima. Il joue pas assez. Tu vois, en fait, les mons, il perd ses stocks. C'est quand il fonce sur Kazuya. Et là, il a foncé sur Kazuya et s'est pris un électrique. Il est mort de ça. Bah, électrique, smash gratos derrière. Il est mort de ça. Fini, hein. Donc, non, faut vraiment que tu me dises, je joue contre Kazuya, je dois me prendre zéro électrique. En fait. Ouais. Parce que. Dans l'optique, si le Kazuya il est irréprochable, tu te prends un électrique, t'es mort. Surtout que finalement Didier a les outils pour le garder à distance et ne pas se manger ces électriques là. Donc on banne Layla de PS2 et Eton City et on va aller sur Small BF. Ouais. Petit Small BF. Pic de Tizzy et son Diddy Kong. Donc là attention, évidemment faut faire gaffe à quand tu landes sur la plateforme. Bien mix-up entre. Je dis pas trop fort pour t'entendre, mais bien mix-up Antoine. Entre effectivement, tech. La brosse, c'est mon prénom. Entre Tech et Get Up Attack. Parce que Get Up Attack, c'est fort hein, sur les gens qui veulent te baiser sur les plateformes là. Oui. Ah, c'est dommage, il y a eu une tentative de lock sur la plateforme de Tizzy avec la banane, on a tous vu. Oh, pas mal. Je pense qu'il avait peut-être une punish. Là-dessus. Le chien, il a tenté le reflect. Tizzy, il a été bien passant, il attend, c'est dommage. Oh, dommage, il y a eu le trip et on n'a rien fait derrière. Ah, il s'est fait avoir par la classique. En fait, je joue contre Kazuya. S'il est offstage, bah s'il fait pas un side B, c'est un mix-up. Faut au moins que tu te mettes ça en tête, genre s'il fait pas un side B, c'est un mix-up. Parce qu'il y a trop de gens qui se font reverse là-dessus, c'est un truc. Tu vois ? Eh ouais. Putain, la late box là qui a touché. Ouais. Ouais, chien qui whiff c'est Hell's Gate là. Et ça lui fait perdre les petits points là. Par contre là, ouais, il va la perdre évidemment.
A chaque fois qu'il la whiff en fait, ça lui fait perdre de la jauge de rage. Et au bout de 3-4 fois whiffé, il perd complètement sa rage. Et à chaque fois qu'il se prend des coups aussi, ça diminue la jauge. Ouais, là attention parce que Tizzy malheureusement il s'est fait monter les pourcents de manière assez incroyable. Oh, bien vu ça. Ça tue. Allez, allez Tizzy, tu peux le faire, tu nous as déjà montré qu'il est arrivé. Le timing par contre du side B, bon, il est mort. Évidemment. Potentiel dernier stock de Tizzy pour ce BO. Et tu vois comment il est mort là? Bah il a side B et chien il a électrique. Voilà. Allez, allez Tizzy, ah non. Oh, ah oui. Oh, j'ai eu si peur sur le timing. Bel air dodge, enfin spot dodge pardon. Le chien qui s'attend à ses side B parce qu'il y en a beaucoup. Ah oui d'accord. Allez Tizzy, tu peux le faire. Ça se refuirait pas encore. Bon, alors attention, il y a la rage là. À tout moment, chien, il va tenter de mettre les 40% gratuits. Et c'est un beau match en tout cas qu'il nous propose tous les deux. Hein. Ouais, c'est pas mal. Voilà, tu vois. Et là, il a pas fait gaffe, hein. Il s'est pris 40% gratuit. Ok. Contre, ça va être très dur. Allez, non. Ah non. Oh, oh la merde. C'était les spaghettis. Ça craque du côté de Tizzy. C'est chaud là. En fait, c'est compliqué parce que le chien, il a deux stocks. Kazuya il fait peur. Et le B qui viendra récupérer cette dernière stock. 3-1 pour Kazuya Mishima. Tizzy il a trop foncé sur Kazuya. Genre il a pas assez joué whiff punish. Alors que c'est comme ça qu'il faut jouer contre Kazuya malheureusement. Et du coup, il s'est fait avoir à chaque fois. À chaque fois qu'il perdait des stocks, il faisait des gros side B sur lui. Et chien il mettait un électrique, il était mort quoi. C'est malheureux mais c'est Kazuya. C'est ça. On va vous faire une nouvelle prédiction pour Chirur Chien Sourif. Et ouais. Chien qui a fait sa petite run loser finalement. Il a perdu Winner Semi. Il a battu qui Si on peut regarder le petit bracket. Alors bouge pas, on va se mettre un petit bracket. Hop, ne bouge pas. On va se le mettre à jour d'ailleurs le bracket. Hop. 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 Non merde, c'est pas ça que je voulais. Non, c'est pas le top 8. Ce qu'on veut, c'est le bracket. Allez,